Très honnêtement, je pense que s'il y a des aides qui sont accordées au football professionnel, ou plus largement au sport professionnel, ce seront des aides qui existent pour les autres acteurs de la vie économique française. Le PGE, par exemple. Voilà, j'ai un peu de mal aujourd'hui à imaginer que l'État mette en place des aides spécifiques au sport professionnel, ou qu'il aille au-delà finalement des aides de droit commun, donc effectivement les prêts garantis par l'État, l'activité partielle également, les exonérations de charges sociales. Ça, c'est des choses qui sont valables pour l'ensemble des acteurs économiques et qui doivent l'être tout autant, sans discrimination, pour le sport et pour le football professionnel. Il y a également eu le fonds de compensation de la billetterie qui a été mis en place, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Il faudra évidemment que ça perdure tant qu'on ne pourra pas avoir la possibilité de récupérer les spectateurs dans les stades. Mais c'est difficile d'imaginer les acteurs publics aller très au-delà et créer des mesures, on va dire, dérogatoires, spécifiques au sport et au football professionnel. D'une part parce que d'un point de vue politique, ça serait, je pense, compliqué à assumer aujourd'hui, et que si on ouvrait ce champ-là, il faudrait très probablement l'ouvrir pour tout un ensemble d'autres secteurs économiques. Et d'autre part parce que, y compris pour le sport professionnel lui-même, assumer ça en termes de négociation, c'est aussi prendre le risque de retourner un petit peu l'opinion publique et d'avoir finalement un sentiment assez défavorable qui pourrait s'exprimer, notamment de la part des fans, qui eux aussi souffrent, je pense, de cette situation depuis plusieurs mois. Ça y est, ce sujet n'est plus tabou, et peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va retrouver une certaine normalité et les supporters vont pouvoir retourner au stade. Les supporters, le public, il y a deux catégories de public. Le grand public, et là on sait que Fédération, la Ligue, les clubs sont en train de travailler sur énormément de gestes barrières et de mesures sanitaires. Mais il y a aussi un autre public qui est le public des hospitalités, des loges, des sponsors, et pour lesquels il existe aujourd'hui une solution, des solutions qui sont extrêmement faciles, rapides et simples à mettre en place, parce qu'il est important aussi pour ces populations qui représentent une grosse partie du business model des clubs, de revenir rapidement au stade, de pouvoir en tirer le meilleur, d'être encore une fois rassuré. Et il existe une solution qui permet de nettoyer, désinfecter et protéger des espaces qui sont entre 20-30 mètres carrés jusqu'à 500 mètres carrés. Solution qui est à ce jour déjà utilisée dans des espaces de coworking, dans des hôtels ou même à la mairie de Poissy, qui utilise ce produit dans son centre de vaccination chez Morissette, afin encore une fois de rassurer pleinement le grand public qui vient sur place. Diffusé est un brouillard sec qui se diffuse sur l'ensemble du local désinfecté. Produit qui de plus ne reste pas sur la table, je veux dire par là que sur tout ce qui est support, vous n'avez pas une pellicule qui colle ou autre. Donc on peut laisser aussi le produit se faire. Et trois en un, il fait la désinfection, il fait le nettoyage, il est virucide, bactéricide. Pour nous, c'est vraiment l'idéal actuellement. Là, pouvoir faire une surface assez grande, puisque ici nous avons quand même 4000 m3. Donc l'appareil, lui, fait 1000 m3, donc nous mettons 4 appareils, bien évidemment. C'est un agent de la ville qui s'en occupe sans avoir besoin d'être équipé particulièrement. Avec peut-être en plus des gestes barrières, des choses à envisager, peut-être une arrivée un peu plus tôt au stade, un départ un peu plus tôt au stade, c'est-à-dire que tout le monde va devoir s'organiser un petit peu différemment pour pouvoir réassister au spectacle qui manque tant aux gens depuis plus d'un an. Le bout du tunnel n'est pas si loin, il existe des solutions pour encore une fois nettoyer, désinfecter et protéger et rassurer les gens sur le fait que tout est mis en place pour qu'ils puissent vivre pleinement leur passion.